Chère Elisabeth Buffet, hein, qui n'avait absolument aucune actualité particulière. Votre retour chez nous pour la troisième fois cette année, si ce n'est le fait d'avoir été l'une de nos invitées les plus conviviales, à l'heure de l'apéro notamment. Bonsoir. Nous aurions bien conscience du peu de charisme dont j'ai hérité à la naissance. Et voyons bien dans votre regard cette petite lueur de panique qu'ont souvent les alcooliques. Alors, leurs interlocuteurs, je me représente. Moi, c'est toujours Anna, toujours célibataire, ascendant jachère et ce en été. Comme en hiver. Une famine sexuelle que beaucoup de vos 45 ans révolus et de ce petit côté Christine Bravo et que vous donne aussi bien votre blondeur que votre amour est modéré. Je suis désolé. Que votre amour est modéré pour la vodka. Bisous, vous connaissez vous aussi Eros Park. Une situation aussi intolérable qu'inquiétante, surtout pour des femmes qui, comme vous et moi, approchons dangereusement de la méno à laquelle je vous propose d'essayer de mettre un terme, non pas en choisissant la facilité qui consisterait à intégrer tout simplement un réseau de prostitution, mais plutôt en allant jouer les touristes ensemble cet été. Alors, ils ont bien conscience que beaucoup vous n'avez ni la notoriété, ni le compte en banque d'une Florence Foresti. Je vous propose du coup qu'on se concentre sur des destinations dites fun et pas chères en la matière. Même s'il faut bien avouer que ces temps-ci, les prix comme les bâtiments d'ailleurs sont littéralement cassés en Syrie, et bien dans le même temps, je me dis que vu votre son Nancy Rose, il est quand même plus prudent d'oublier les pays du Maghreb. Et c'est la raison pour laquelle... Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite été attirée par une offre attrayante que propose le guide des Cougars, un guide de voyage formidable, qui est un peu comme sur le modèle de son grand frère. Le guide du Routard recense les meilleures adresses et destinations pour les femmes qui, comme nous, sont aussi flasques que désireuses de prendre du temps. Ça va mal finir cette saison. Je vais montrer mon cul, elle verra si je suis flasque. Oui, oui, allons-y. Elle voit sur scène, vous en jouez. Bref, qui sont désireuses de prendre un petit coup de jeûne, comme on dit. On a eu peur. Rapport qualité-prix. Hein. S'il y a bien une destination qui arrive en tête, c'est Tahiti, une île des Caraïbes, aussi pauvre que paradisiaque. Hein. Pour commencer, la quasi-totalité de la population est certes séropositive, mais chrétienne, hein, ce qui avoue le est un excellent point. Notamment si on sort un peu frisqué, on veut se faire une bonne raclette, par exemple. Mais le point le plus sympa, finalement, c'est quoi la moyenne d'âge chez les hommes et de 19 ans, un âge formidable, où quand on crève la faim et qu'on croise des Européennes aussi invitables que fortunées, on n'hésite pas à décrocher les cases, comme on dit. Et c'est le cas de l'hôtel le Gros Port-au-Prince, hein, qui prend une petite somme de 250€ TTC la semaine, hein, propose à ses clientes une formule all-inclusive, hein, comprenant l'hébergement, la nourriture, la boisson, le don d'organes évidemment, mais aussi les massages et autres visites, hein, de nos territoires les plus vierges, hein, si vous voyez. C'est que je veux dire. Bref, une destination de rêve qui, j'en suis sûre, nous remplirait aussi bien de souvenirs inoubliables que de MST. Que tenace sur ce petite confidence. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'aurais tenté ma chance en Afrique, où un Canadien amputé des deux jambes a réussi à l'ascension du Kilimanjaro. Donc, c'est comme moi. Le sommet inviolable de l'amour que tant vous ne serez pas contre l'idée de prendre enfin un petit coup de piolet, comme on dit. N'hésitez pas à rejoindre Elisabeth. C'est une honte, mademoiselle. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.